Et salut à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode de Sizable avec un merle, un corbeau, je pense que c'est un merle, qui se pose ici et on est donc sur le mini-jeu qui s'appelle Seasons, donc les saisons. Ok d'accord, c'est très clair. Donc déjà on a, qu'est-ce que c'est ça? On a l'automne, je pense. Ah oui d'accord, ça s'appelle saison mais c'est pas vraiment des saisons qu'on est censé avoir. Ok, ça marche pas. Tac. Ah, il y a un petit quelque chose quand même. Oh, oui, d'accord, attendez. Tada! Bon, ok, j'ai le bonhomme de neige. Faudra. Je sais pas quoi, mais faudra. On regarde s'il n'y a pas la tortue qui traîne. Tac. Non. Donc, on a... Ah bah, elle traîne là. Ah, super, nickel. Donc ça va là. Et du coup, il nous reste l'oiseau. Donc cette saison, on l'a pas du tout exploité. Ok, on a plein de choses. Tout est gros. Oh, d'accord. Ah. Il est entré dans cet arbre là. Ok. Tac, ça va. Ce niveau-là était quand même hyper accessible. Alors. Ici, on a un générateur, une voiture, Pepsi, c'est une boisson ou bien. Et il nous faut trouver un tracteur, une montgolfière et faire fonctionner Pepsi, je suppose. Ok, on a des immeubles. Oh, c'est un gratte-ciel! Oh, il y a la... Tac, elle qui arrive. Donc. Ok, donc on a déjà ça. Je ne peux pas toucher, par contre, à la taille de la montgolfière. Tac, ça fonctionne. D'accord, ça fonctionne que si on est dans ce... Ah oui, oui, d'accord. 1, on a rien. 2, on a ça. 3, on a du Pepsi. Ok. Ok. On a une pièce. Bon, on va mettre déjà la pièce 2. Tac. On va essayer avec un, ça se trouve il y a une tortue qui pop. Hop. Trois. Pepsi. D'accord. Par contre j'ai pas trouvé la tortue. Peut-être qu'elle est dans le truc là-bas. Non mais ça m'intéresse quand même de savoir comment c'est géré. Et est-ce que si je fais juste 2 et 1... Ouais bon, c'est pas ça qui va m'aider a priori. Où elle est la tortue? Eh mais attendez, ça c'est... Ah oui, d'accord, c'est bon. Ça c'est mon golfière, ça c'est Pepsi. Et ça c'est la voiture. Ah ! Ok. J'avais pas trop compris. Bah je sais pas, hein, où est-ce qu'elle est la petite bestiole ? Thank you.
Est-ce qu'il faut faire une bêtise? Genre poser la canette quelque part? Elle est partie! Oh! D'accord! Bon bah au moins on l'a eu. Ok, c'est valide. Tac. Hop, parc d'attractions. Des frites! Une poubelle avec un ballon. Ok, on a plusieurs ballons. On a une autre poubelle. Avec la tortue dedans, évidemment. Ça c'est trop gros. Oui. Tac. Ah, faut les ballons. Ok, donc ça. Et là on a un poids. Franchement très simple. Par contre. Hop, on a déjà eu la grenouille, donc tout va bien. Le bateau, il servait à rien. Ok, une fusée. Ouh, violent. Ok. Il y a ça qui est là. Comment je fais? Est-ce qu'il faut qu'elle se prenne genre une autre planète? Ok, ça aligné, c'est bon. Allez, avance. Tac. Bon, par contre, je sais pas qu'est-ce qui déclenche l'arrivée de la tortue, mais c'est assez drôle. Alors, on a une clé, on a une chauve-souris, on a ça. Qu'est-ce que c'est? Un découpeur de citrouille? Un découpeur de petites citrouilles? Je comprends pas. Bim! Tac. Ensuite. Oh! C'était la tortue. Là, c'est sûrement pour la clé. Et il nous reste cette histoire de citrouille là, réussir à casser. Comment on fait? Ah oui, c'est bien géré, c'est parfait. C'est tout bête pourtant, je suis sûre que c'est tout bête. Ah, je comprends pas. Attendez, je vais pas bugger sur ça quand même. Enfin, je dis ça, mais bon, apparemment, je bug sur ça. Comment on fait? Si je mets genre un caillou. Le caillou, il s'en fiche. De toute façon, je peux pas prendre grand-chose. Ouais, c'est que les citrouilles. Elles sont toutes pareilles, enfin je veux dire, il n'y a pas de différence majeure entre les citrouilles.
Peut-être c'est celle-ci parce qu'elle a une tête bizarre. Oh, bah oui, c'était ça. Ok, super, merci. Bon, et bah écoutez, on a pas mal avancé. En fait, on a avancé un peu plus que la dernière fois, je pense, puisqu'on avait fait 4 niveaux et là on en a fait 5. Donc, on se retrouve demain pour 4, 5 prochains niveaux. Je ne sais pas, on verra. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye!